Heureux, tout à fait, Gabby. Tout à fait. C'est que pour les niveaux 60, les Falantes. Alors. Bon, j'ai bien fait péter. Hein. Ah, j'ai eu des jambières légendaires. Ouais, je suis content. J'ai eu des bot legs qui sont très très bien pour le coup. Ah non, ça de la c'est renforcé, non, c'est nul. Mais surtout, j'en ai des mieux. Alors, j'aurais peut-être dû mettre celle-là, ça aurait tout changé, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que je suis nul en PVP quand même. C'est pathétique. Hein. Oh là là. Coucou, tout à fait. Alors, Ruby, ah bah oui. On prend, voilà. Diamant, on fait les deux. Putain, en vrai, les gifs, ça va vite. Hein. Quasiment tout fait. Alors, lance, oui. Ensuite, rapière, bâton de vie, jambe. Ouais, on va faire plutôt les trucs ici. Hein. Soulier, vas-y, go. Putain, j'aurais quasiment fait toutes mes gifs, bordel. Dinguerie. Ok. Hop, hop. Ok. Tac, tac, tac. Donc, on va aller là-bas. Non, attends. Je vais d'abord aller prendre les quêtes à Genèse. J'en ai pas une. Détruire les ruches de la Genèse pour réparer coffre-fort. Mais ah, j'ai pas récupéré le loot à chaque fois qu'on a buté une ruche. Je suis un énorme connard, putain. J'ai pas récupéré le loot, mais quelle banane je suis. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah oui, hein, c'est nul. Oui. Stop, tac, tac. Toujours pas de quête ici. Non, ok. Bon, alors. Donc. En tout cas, on est bon. 620, ouais. Plus 8, il y a quoi de beau à Genèse? Attendez, plus 8. Ouais, c'est bon, 8, je peux le lancer. Complètement bugué ici, ça fera choisir une 1, une 4. Plus 8, ça donne quoi les loot? Alors. On commence à réchauffer pas mal. Hein. Oh putain, cette hache double là, pour fendeuse écarlate. Ouf! Chapelet de feu, critique, tourment de la terre enragée, polo. Ouais, l'amulette du jardin, c'est un classique hein, en tank. En vrai, j'aimerais bien l'avoir. Avant, elle tombait tout le temps, puis maintenant, elle tombe plus. Tristesse. Alors, hop là. Non, ça, c'est bueno. Attendez, où est-ce que je peux aller fermer du fer vite fait, tiens, niveau dans le map. Où est-ce que je peux aller fermer du fer vite fait? Est-ce qu'il y en a près d'un TP? Ah ouais? Ah ok, juste devant en fait là. Donc haute chute, dans les tacs. D'accord, là et en dessous il y a full fer. D'accord, on va aller voir ça. Ah mais on va avoir des nouveaux 60 bientôt là. The Salt. T'es 47 Easy? Mais t'es pas genre 36 en début de live? Oh la vache! Oh il est chaud le Easy. Oh, il est chaud, le Easy. Enfin, j'avoue que ça... Ça enchaîne. C'est efficace. On a pas le temps. Bon. Le fer. J'ai fait un 360 aussi, moi. Ah, où est le fer? Où est le fer? Où est le fer? Il va 60 avant moi. Ah, ouais, être un perso, mais... Je pense que la touche E, elle doit commencer à chauffer un peu. Hein. Elle doit commencer à... L'index, il a mal. Il a mal. Il est où l'esprit des sous-joueurs? J'avoue. Oh, un caca triceratops. Trop bien. Et un lapin devant. Faut vraiment que j'ai une hache, une pioche légendaire là, c'est plus possible. Allez, 100 en extraction, bueno! Magnifique! À moi le métal stellaire, oui!
À moi le métal stellaire. Un vaincre. Non mais elles sont nulles mes activités là. Il se barrait ce lapin. Connard de lapin. Confrontation, objectif démarré, c'est quoi ça? Oui, c'est qu'ils ont essayé ces trucs-là, j'avais oublié ça. Et je crois qu'il y avait des genre des quêtes événementielles, je sais plus quoi. En vrai, on va aller farmer du bois. Je vais aller monter un peu mon ingénierie, ça sera fait. Marrer des trams, on va aller juste farmer du bois dans ce cas l'attaque. Non. On va aller se TP à haute chute. Un petit gisement de fer. Ouais, je peux le farmer ici, hein. Pas besoin de me faire chier. Il me faut juste du bois vert pour en faire plein de charbon de bois. On va tout cramer. On va farmer du bois comme un fou pour le charbon de bois. Ah oui, d'accord. Non mais tu sais, Jinko, à partir du moment où tu te fais éclater par tout ce qui bouge, c'est qu'il y a un problème soit dans le joueur, soit dans le stuff, soit où t'en es. C'est là où le rush a ses limites, tu vois. Est-il mort? Ah, il y a de l'or devant, tiens. Bim. Est-il mort? Bon. Sacré Jinko, va. La New World, ça tape, hein. Ça tapote, ça tapote. Le joueur est clairement en problème. Peut-être! Mais bon. Et t'as fait tes transformations ou toujours pas, ou t'es toujours en mode flippette? Go go go, faire les transos là. Donc là moi je vais faire un floum bois, full bois, excusez-moi. On crame tout ça et on va aller créer des flèches en acier et monter l'ingénierie. Alors j'ai tout transo, ce que je peux transo. T'as dû monter tes métiers comme un fou, non? Ça a dû être la teuf d'évolution du métier. Ah ouais, pas mal. Solide, solide. Ouais, la tannerie, ça monte vite généralement. Ça... C'est le truc qui monte plutôt vite. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est satisfaisant, non? Là, je trouve ça vachement satisfaisant de les monter, les trucs comme ça. En vrai, je farm ici, mais ce que je fais là, je devrais le faire à Bois Eden, en fait. Je devrais faire la même chose à Bois Eden, comme ça j'aurais le bois de fer, en plus. Ouais, et c'est ça qui est cool dans le jeu, tu vois. C'est que tu pourrais vraiment monter qu'avec tes métiers, si tu le souhaites. Moi, je trouve ça, je trouve ça absolument fabuleux. Un mec qui veut jouer que ses métiers, il peut jouer que ses métiers. Pas faire une quête, si même s'il veut, du jeu. Et il pexera. Je trouve ça magnifique. T'aimes pas les donjons, pas de soucis. T'aimes pas le PVP, pas de soucis. T'aimes les métiers, New World est pour toi. Ouais, non, c'est normal hein, pour du... Non, c'est peut-être le joueur. Le stuff est bien. Donc c'est effectivement peut-être le joueur le problème. Ou l'aspect après. Quand je dis l'aspect, pas les armes ou le build, hein, genre en mode, enfin, que t'es un truc qui vaille le coup, quoi. Mais non, 463, c'est normal, hein, t'es bien. Pour du 57, c'est normal, tu seras à 500. Le but du jeu, c'est quand tu passes 60, logiquement, tu seras entre 400, 80 et 500. Tout va bien. Ah mais j'ai un petit idée, c'est que dans 2 minutes on part en... On va aller en mutage, j'allais zapper. Je vais vite transformer mes trucs. Alors, marée des trames, allons transformer tout ce bois, allons cramer tout ça.
la fonderie d'abord. Parce qu'on va faire du charbon de bois. Là, le but du jeu, c'est pas de transformer en bois de fer. C'est de faire du bon gros charbon de bois, là. Non, lingot de fer, alors oui. Mais c'est pas ça que je pensais. Mais oui. Lingot d'acier, bah c'est justement charbon de bois. Voilà, on y est. Hop là. Voilà, voilà. On est en plein dedans. Hop. Plus ça fait monter la fonderie, mine de rien, qui était un peu bas level. On va récupérer les compos de transformation qui sont out-shoot. Voilà, ils sont ici. Lingot d'acier, je peux en faire 34. C'est déjà pas si mal, écoutez. Ah, 65. Plaisant. Lingot d'argent, go. Lingot d'or, allez, folie, hein. Ça servira à faire le récal que plus tard quand j'aurai bloqué le platine. Ok. Alors. Et maintenant, on va à l'ingénierie qui est, je crois, ici. Faire des flèches en acier. En bloc de pierre. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais écoutez, pourquoi pas. Pierre taillée aussi, oui. Et résister. Pierre taillée, je les garde bien. Il me les faudra pour après. Donc, non, je voulais aller ici. Je vais lancer le groupe si c'était. Alors, flèche. Qu'est-ce qui me manque pour ça? Ça, c'est normal. Les flèches. Flèche en acier. J'ai pas mes plumes. Fuck. Fuck. Mais pourquoi tu commences ça? Tu peux craft. Bah, si tu les fonds. Je m'en pas. D'acier, je pense, tu veux dire. Parce que les lingots de fer, quand tu sais de la transformation aussi, le minerai, hein, tu peux le transformer en lingots de fer. C'est le seul truc à quoi ça te servira, je crois pas. Attends, j'oublie un truc, les plumes. Donc elles doivent être à haute chute. Comment t'as pu monter sinon, je comprends pas, Jinko. Y a un truc que... Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Merde, non. Bon, sont où ces flèches? Ah, 21 ? On peut aller loin avec ça, putain. Non, on s'est pas compris, Jinko. On s'est pas compris. Oui, mais pourquoi tu te transformes pas en lingot de fer ? C'est ça que je veux dire, tu te feras monter la... Ah, t'as peut-être pas les papiers ou j'en sais rien. Mais ça te fera monter justement la fonderie. T'en sors moins, hein, t'as rien à en foutre, hein, sinon du fer. Hein. Part le calé dans l'oignon, t'en feras pas grand-chose. Hein. Hop, hop. Fonderie, oui. Tannerie. Menuiserie, c'est marrer les trames. Taille de pierre, c'est haute chute. Voilà. Ah, ça marche. L'unity, boum. Systemix, boum. Ah, il n'y a plus Sephiroth, pas de souci. Ok. On va envoyer un message à Xelanos. Attends, il est sur quoi, Xelanos? Ah, mais il doit être sur Dark Undercover, Xelanos. Xelanos, Sephiroth, si vous voulez venir, let's go. Muta 8. On aille se faire péter l'oignon dans la joie et la bonne humeur. Et dans le consentement, parce que le consentement c'est important. Le consentement. Il est sur PO, il m'a dit que c'est là. Et il veut venir ou pas? Attends, je lui envoie un message. Ah oui, il est là. Go Muta 8. Hop. On va le choper là, ok. Ici, est-ce que je peux faire des choses? Continue d'augmenter... Ah bah tiens, plume, oui, potion de mana ordinaire. Ah merde, ultra puissante. Alors attends, ça non. 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 Ration de voyage, je les ai pas avec moi genre? Ah pas, non. Attends, ultra puissante, mana ordinaire, ration de voyage. Où. C'est où le jeu? Il n'y a plus de jeu. Il est là. Ah putain, mais c'est à l'enfer ce truc. Ok. On a dit... donc, attends, si j'étais pas sur moi. Mana, ok. Et ration de voyage, ça m'étonne de pas l'avoir sur moi quand même ça. Alors là, j'ai les ingrédients de cuisine, mais... Les bouffes en elles-mêmes, c'est peut-être à haute chute. Je vais peut-être laisser ça à haute chute.
Non, je les ai bien sur moi, donc je les ai juste pas en fait. Ration de voyage, marée des trams. Est-ce que je peux pas les crafter d'ailleurs, tiens. Sachant que ma cuisine est là. C'est où la cuisine, c'est là. Je viens de tilter, est-ce que j'ai pas de quoi crafter les trucs en fait et monter la cuisine moi-même. Pour la science. Ah bah si, tiens, ration de voyage. Boum, allez. Voilà. C'est ça qu'on peut monter la cuisine aussi. Défaut de la monter IRL, autant la monter en jeu. Voilà. Il y a Sephiroth devant moi à Bois Eden. Et pourquoi je l'ai pas vu? Attends, je suis bigle ou... Ah oui. Hop là. Donc plus que Zella. Qui ne répond pas hélas. Attends. Le problème c'est que Zella, je soupçonne d'avoir... un seul écran, donc c'est un peu la zermie, je pense, pour lui. Mélange d'épices, pâtes. Entrier par XP. Carotte rôtie, c'est ça qui me file le plus. Ok. Salut Alice. Prends-t-on... Allez, ration de voyage, 10, 10, ok. Allez, 25 en cuisine, un popopo. On est chaud. Bon, Xela répond pas, tant pis. On va essayer de prendre le pick-up. Hein. Mana ordinaire, attends, régénération ultra puissante. On peut peut-être faire ça. C'est quoi ça là-dedans? Ah, une... Partition, ok. Sauf que bah les couilles, mais. Mais tiens, tissé, tiens, j'ai des choses à faire ici. Là, j'ai rien du tout, ok. Bah écoute, on va lancer en PU. Tant pis. Alors. Trouver un groupe, créer un salon, tank, hop là. Alors, mana ordinaire et régénération puissante. Parti, mana. Ah ouais, 8 PO! Il se touche. Hein. Je crois qu'il m'en faut que 5 après, donc ça va. Régénération puissante. Toujours plus loin, ça. Ok. Mais chut, ça va bien taper quand même. Ça va rapporter pas mal d'éclats hein, si on y arrive. Ce serait propre. Négatif, c'est fini. Ah, c'est régénération ultra puissante. Putain, j'ai pas acheté les bonnes. Bah, en même temps, il y aura eu le truc. Ah, oh, je suis un connard. Tiens, je vais les vendre pour la belle. Non, 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 faut que tu le refasses. Mais oui, ça serait bien que ça soit automatisé pour le coup. Ultra puissante. Régénération. Ah oui, ça coûte plus cher déjà. Oh, pas beaucoup plus cher en vrai. Ça vaut quelque chose ou pas les régénérations puissantes ou pas du tout? Oh, vite fait. On va les vendre. Hop. 300 PO. Des sangliers en tête de. Putain. Pas mal! Bon phare, ouais. Tu sais, généralement, quand t'as fait ça de ta journée, tu sais que ça a été ok. Faut sortir maintenant. Faut arrêter de jouer, monsieur. Et niveau 25 au marais des trams. Nice. Pas au petit de sortir, c'est vrai. Il y a un battle pass à, clean, hein, je comprends. C'est le foyer majeur. Ouais, on fera ça plus tard. Bon, PVP sans merde, ça fera que j'aille faire une forge, faire un PVP sans merde. Non, mais là, je pense que je vais juste le... On va juste le roll, le truc. Voilà. Escarmouche. Ah, putain, orbe de gyps. Bon, j'en ai pas, ceci dit. Tu es des dévoyés, tu es de la pain altérée. Ah, il est mieux, celui-là. Terminer l'expédition. Ok, attraper les poissons rares. Parfait.
Ah bah ouais, avec plaisir, si c'était... Il est quelle heure? 18h, ça devrait le faire. Là, je vais cut à... pour 20h30. 20h30 au plus tard, je cut ensuite, parce que je vais dîner, et ensuite, Sinoche. Ouais, ouais, avec plaisir pour une petite forge après. Mais là, elle est bien, cette activité-là. Là, elle est très, très bien. Poisson rare. Bon, bah écoutez, en attendant que ça tag. Hein. Et la zone de pêche, là. Bon, je pense qu'elle est toujours remplie, bon, c'est pas grave. Bon, on pêchera. De toute façon, ça fera la quête. Dommage qu'il soit pas là, Xéla. Toujours pas. Là, pour l'instant, récemment, j'ai été voir Donjons & Dragons. L'honneur et voleur qui était très cool. Et là, ce soir, on va voir les 3 mousquetaires. Et John Wick, on va aller le voir lundi ou mardi, je crois. Lundi, il me semble. Ouais, ça, c'est lundi qu'on va voir John Wick. Lundi, John Wick. Ce soir, les 3 mousquetaires. Et il me restera... je sais plus ce que j'ai d'autre. On va au CGR. La zone, elle est dead. Ouais, elle est dead. Rien à foutre. Non, mais c'est pas trop mon délire. Je suis pas dans la... J'ai vu hein, les premiers, mais voilà. En vrai, Mario, pourquoi pas? Bon, c'est pas trop mon délire non plus, mais sur un malentendu. C'est-à-dire... SpokeX, qu'est-ce qu'ils ont changé? Et salut Valzog, bienvenue à toi. Ah, Xéla, tu tombes bien, il manque juste un heal. Mute à 8. Tu réponds pas sur Steam, salopard. Insupportable, je viens de voir ton message chaud. Bon, bah, let's go, amène-toi. C'est bueno, comme ça on est 5 full company. Attends, les slow runners en plus 8. Les slow runners en 8. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh pétard. Si je ne regarde pas le stream, je ne gagne pas de points. Ça m'étonne. Ça m'étonne, ça m'étonne. Est-ce que, au cas où, est-ce que tu peux faire, Spocky, tu m'as mute ou pas? Je crois que c'est ça qu'ils ont changé, en fait. Est-ce que tu m'avais mute? Et ça, c'est possible qu'ils l'aient changé, ouais, pour les points. Merde, j'ai trop tôt. T'as mute l'onglet, alors, pourtant, ça, c'est bon. Je sais pas quoi te dire, alors. Ah, vous allez le voir, vous allez voir, ma tête, mes conneries. Voilà. Et oui, je suis sur Cléopatra, Velzog. J'étais sur Galad initialement, qui a fusionné avec Cléopatra. Je soupçonne Cléopatra de fusionner avec d'autres serveurs dans les semaines, voire un mois à venir. Donc bon, ça varie. Mais oui, on est là. Coucou, salut. Un petit brochet moyen. Bah résultat, attendez, gérer, supprimer. Hop, dès que Xéla est là, c'est bon. Pas trop vite, Cléopatra. Non. Après, il y a vide et vide, hein, mais globalement, non, non. Je sais pas quand on regarde le temps. Alors, c'est pas Nissa, c'est sûr. Hein. C'est pas Nissa, mais bon, en même temps, Nissa, c'est le top world. Cléopatra, on est factuellement, hein, si tu peux le voir sur point d'exclamation statut. On est 541 actuellement de connectés. Voilà, donc, tranquille. Si, point d'exclamation BTTV, Barixan. Pour les coffres, pour les points de chaîne, si, si. Si c'est pour la boutique, pas de problème. Il faut 619 plus 8, ouais, 619, tout à fait, monsieur. BTTV. J'ai une commande avec un petit screenshot, avec un petit tuto, la totale. Je sais pas, pour ma part, j'utilise Chrome. Pas trop dur à level up les heals. Tiens, alors je suis pas en heal, mais non, non, non. Oublie pas que tu peux respect quand tu veux dans le jeu Valzog. Hein. C'est pas wow, bon, le stack c'est encore autre chose, mais... C'est un jeu dans lequel tu fais ce que tu veux, quoi. Je respect 3, 4, 5, 6 fois par jour, hein. Littéralement, hein, tous les jours. J'étais en heal tout à l'heure, on a fait du... J'ai fait du heal aujourd'hui, non, peut-être pas du heal aujourd'hui. Ah si, j'ai fait une sirène en heal, 2 sirènes même en heal. C'est vrai. Je savais bien que j'ai bien un truc. Eh, hey, bientôt 100 en pêche en vrai, hein. C'est pas PO, c'est pas PO, hein, putain. Ah, PO, quel enfer. Mais en vrai, il y avait des trucs cool, hein. J'y repense un peu, il y a une partie de moi qui a quand même bien aimé, mais... Voilà, OSP, ça m'a cassé les couilles, hein. Puis le côté un peu élitiste d'une partie de la communauté est très... Ça m'a rappelé les mauvais souvenirs, j'ai pas aimé aussi, ça. Ce côté un peu puant, élitiste. Et en fait, les gens deviennent comme ça avec le jeu, et j'aime pas trop ça. Pas toute la communauté, mais une petite partie, ouais. Ça m'a pas... En stream, c'était pas très agréable. C'était pas fou. Tu me dis, hein, Xéla, dès que t'es prêt, je te groupe et on y va.
Alors, Lost Ark, c'est encore autre chose. Lost Ark, c'est puant d'une autre manière. Lost Ark, le problème, c'est que c'est encore autre chose, Alice. Je suis d'accord qu'il y a un truc qui est pas très là dans Lost Ark. Alors, pour le coup, la communauté Lost Ark streamer a été abominable. Pas tous, hein, mais beaucoup. Et donc, ça aide pas sur Twitch. En jeu, j'en cite trop rien. Mais Lost Ark, il a d'autres problématiques vis-à-vis des joueurs. Mais bon. C'est l'aspect FOMO. Hein. Salut Nini, point d'exclamation, FOMO. Ah putain, c'est vrai qu'il faut pas faire ça en pêche. Xela, vas-y, let's go. Hop. Ouvrir le endgame plus trade en PE, je m'arrête plus. Écoute, let's go. Hein. Après, durant que vous amusez, c'est le principe. Pourquoi je peux pas les jeter? Je comprends pas. J'ai les presets ouverts, non? Ok. J'arrive sur Discord. Putain. Ah, mais j'ai oublié le barbon au lit. La compagnie est communautaire, Veldog. Comme le nom l'indique, t'es bien vieux. Voilà. Si t'es sur la communauté, t'es bienvenu. Tout à fait, Louliria. Mais c'est pareil pour PE, hein. On est d'accord, hein, Louliria, c'est que... Bonjour à toi. Il y a l'aspect... C'est comme Tarkov, tu vois. Il y a l'aspect, en gros, et plein de trucs compliqués pour rien. Résultat, t'as plein de mecs qui vont se branler sur l'accomplissement nul, parce que c'est un jeu giga-élitiste, et ça entraîne des gens puants, quoi, en fait. Pas que, encore une fois, évidemment, je fais pas une généralité, mais il y en a. Plus que dans d'autres jeux, quoi. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Tarkov, c'est un peu le même truc. Lost Ark, ça aurait pu être un bon jeu, mais il aurait fallu changer tout le game design, quoi. Enfin, Lost Ark, la seule chose, ce qui est bien, c'est le gameplay. Hein. Tout le game design de farm et de planning, quelle abomination. Tout le principe du FOMO où ça va te dicter ton emploi du temps. Pourquoi je peux pas me TP, attends. 3 missions de faction à Genèse. Oh le salaud. Oh le salaud. Je sais que j'en ai pas eu une seule. Enfin, j'ai galère en avoir depuis le début. Hein. Quel putain d'enfer. Salut Unity, c'est Fille Xela. Et on est sur Discord si tu veux assister. Bon, on a fait plus 7 gold. Avec 4 membres de la compagnie. Hein. On doit pouvoir le faire à 5. Surtout qu'il fait du plus 10 assisté, donc ça devrait le faire. Est-ce que j'ai les quêtes à Genèse? Toujours pas. Oh là là, quelle surprise. Putain, jeu de con. Est-ce que tout le monde est prêt? Yep. Non, t'arrives pas. Cam7, on a déjà eu cette conversation et t'es encore en mode con-con. J'en ai rien à foutre, soit en lurk. Personne t'oblige à... T'aimes pas cet élitisme. Tu confonds l'élitisme du gameplay qui ne me dérange absolument pas dans Tarkov, comme dans Pass of Exile d'ailleurs, et l'élitisme de la qualité de vie qui, tu l'as toi-même dit, était surtout justifié par une grosse flemme des développeurs d'apporter de la qualité de vie dans leur jeu. Et c'est cet élitisme-là que je trouve puant. En plus, accessoirement, je trouve qu'il y a un énorme problème de game design dans Tarkov vis-à-vis des scavs. Ça, c'est une autre problématique. Tout le monde est prêt? Salut, Sisté. Salut. Yes. Eh ben, let's go.